الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقاعد الغر المهجلين وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر الحمد لله رب العالمين أمي على فوق على بركة Nous remercions le Tout-Puissant Allah et nous lui demandons davantage de grâce en ce vendredi qui est le troisième vendredi du mois de Ramadan. Et nous le prions qu'il nous donne assez de force de continuer à bénéficier des mérites de ce mois sacré. Et comme vous le savez très bien, le Ramadan a un but. Et Dieu l'a dit clairement, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été recommandé comme il a été recommandé aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'objectif du jeûne qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, en islam, la crainte de Dieu a été définie de plusieurs manières. Le plus important, ce n'est pas d'amasser tout ce parterre de définition, mais c'est essayer de se cramponner, ne serait-ce qu'à un seul ou à une seule définition, pour pouvoir vivre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, quant à lui, voilà comment est-ce qu'il définit la crainte d'Allah et la piété. Il dit que la crainte d'Allah, c'est Al-Amadu Bit-Tanzil. Essayez de mettre en application la révélation du Coran. Le peu que tu sais du Coran là, il faut tout faire pour le mettre en application dans ta vie. Wal-Khawfu Min Al-Jalil. Mais c'est aussi avoir peur du Tout-Puissant qui est Allah. Parce que Dieu est douloureux quand il châtie. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est très douloureux. C'est lui qui a créé l'enfer et toutes les diversités de l'enfer. L'homme doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit encore وَالْرِدَى بِالْقَلِيلِ. C'est se souffrir du peu. Ce qui fait que nous rentrons dans des combines, dans des escroqueries, c'est parce que ce que Dieu nous a donné ne nous suffit pas. Alors qu'en réalité, Dieu pourvoit à tous les besoins. Si tu n'es pas trop envieux, tu verras que ce que Dieu t'a donné te suffit largement. Donc essayez de faire en sorte que ce dont Dieu t'a donné là te suffise. Et finalement, il dit وَلِسْتَعِدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ. Il dit la crainte de Dieu aussi, c'est se préparer pour la mort. Et ça, la plupart des gens ne se préparent pas pour la mort. Quand tu le vois vivre, tu
tu as l'impression qu'il va vivre encore 100 ans, qu'il va vivre 200 ans. Il aura oublié que la mort existe. La crainte de Dieu ne colle pas avec cette manière de faire. Il faut que le musulman sache que, à tout instant, il peut perdre sa vie. Ou comme c'est ainsi, il doit être prêt. Même si la mort venait le prendre dans la seconde qui suit, il sait qu'entre lui et Dieu, il n'y a aucun problème, il peut passer main à l'air. Mais quand tu vis, alors que toi-même tu sais que si jamais on me prend aujourd'hui là, ça va chauffer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tu ne t'es pas préparé. Prépare-toi autant que tu peux, en faisant ce que Dieu a recommandé de faire et en t'éloignant de ce que Dieu a interdit. C'est ainsi qu'on va se rappeler de la définition que Cheikh Ahmad Tijani donne à la piété. Quant à lui, il dit que la piété qui est la crainte d'Allah, wa imtisalul amri wa ijtinabun nahyi fi zahiri wal batini min haythu yarda Allah la min haythu tarda anta. Cheikh Ahmad Tijani dit que la piété, la crainte de Dieu, c'est respecter toutes les recommandations d'Allah. S'éloigner de tout ce que Dieu a interdit. Mais comme Dieu le veut, pas comme toi tu le veux. Ça veut dire quoi? Je sais que la prière de Jum'a est 2 rak'at. Je ne viendrai pas dire que comme moi j'aime Dieu, je ferai la prière de Jum'a en 4 rak'at. Tu n'as pas fait ce que Dieu veut, tu as fait ce que toi-même tu veux. La crainte de Dieu veut dire faire comme Dieu t'a recommandé de faire. Ne pas faire comme toi-même tu veux le faire. On a demandé à Sayyidina Abu Huraira de donner sa définition de la crainte d'Allah. Il a dit à ce dernier, il dit, as-tu emprunté un jour une voie épineuse? Une voie où il y a beaucoup d'épines, ce qu'on appelle du lawani. Le monsieur lui a dit, oui, j'ai une fois emprunté une voie épineuse. Il dit, comment est-ce que tu as fait? Le sahaba lui a dit, j'ai évité les épines. Il dit, wakaza di kattaqwa. Il dit, c'est ainsi que tu comprendras le sens de la piété. C'est de savoir que dans la vie, il y a des interdits qui représentent des épines dans ta vie. Il faut marcher sur ton chemin en évitant les épines. Et les épines sont là partout. Les épines sont là dans ton esprit. Les épines sont là dans ta pensée. Les épines sont là entre toi et ta femme. Les épines sont là entre toi et tes amis. Évite les épines. Tout ce qui ne plaît pas à Allah vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ta communauté, évite-les comme tu peux. Tu auras observé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, Dieu va demander qu'on appelle ceux qui craignent Allah. Aïna al-muttaqoun. Où sont ceux-là qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ainsi qu'on posa la question à Mu'az ibn Jabal. Que man al-muttaqoun. Que qui sont ceux-là qui ont craint Allah ce jour-là quand on va chercher à les rassembler pour les récompenser de la meilleure façon? Il a dit, hum qawmun. اتقوا الشرك وعبادة الأصنام وأخلصوا العبادة لله. Que c'est un peuple qui a évité toute forme de polythéisme. Toute forme de polythéisme. Ils ont rejeté toute forme d'idole. Alors que l'être humain a plusieurs idoles. Ce n'est pas seulement les idoles qu'on taille pour adorer. Mais souvent, ton ego devient une idole que tu adores. Dès l'instant que l'emprise de ton ego est fort, plus que la recommandation d'Allah sur toi, alors ton ego devient une idole que tu adores. Mu'az ibn Jabal dit, il faut éviter tout ça et faire de Dieu la seule divinité digne d'être adorée. Est-ce qu'on a bien compris le message? Il est très important de comprendre le but du jeûne. Mais en réalité, ce but-là n'est pas seulement le but du jeûne. C'est le but de tout.
toute forme d'adoration. Dieu nous a créés et dit wa ma khalaqtul jinna wa la insa illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Mais l'adoration aussi a un but. Et le but de l'adoration, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On classe les adorateurs à deux niveaux. La crainte d'Allah des esclaves et la crainte d'Allah des nobles. C'est à toi de choisir ton camp. L'esclave, sa crainte d'Allah provient de sa peur. C'est comme quelqu'un qui sait que son maître est très puissant. Si jamais il désobéit à son maître, alors ce maître-là va le punir ardemment. Et il a peur du châtiment de son maître. Pour cela, il craint son maître. C'est une forme de crainte. Mais sa source, c'est la peur. Celui qui agit ainsi, c'est un esclave. Et il est bien aussi d'être un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a la crainte d'Allah des nobles. C'est ceux-là qui ont tellement aimé Dieu qu'ils ont peur que Dieu se fâche ou qu'il se mette en colère contre eux. C'est comme toi-même tu diras, j'aime tellement mon mari que je ne veux pas qu'il se fâche avec moi. De ce fait, je vais éviter sa colère. Je vais éviter tout ce que mon mari n'aime pas. Ça, ce n'est pas la peur, mais c'est l'amour qui te donne la permission d'agir ainsi. Ceux qui agissent ainsi, ceux-là sont les nobles. C'est à toi de savoir où est-ce que tu veux qu'on te classe. Tu veux avoir la crainte des esclaves, il n'y a pas de problème, parce que Dieu est digne d'avoir peur de lui. Mais tu veux avoir la crainte des nobles, alors apprends à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte de Dieu a des avantages qu'on ne peut même pas citer. Celui qui veut avoir le savoir, il veut avoir le meilleur maître du monde pour l'enseigner, le meilleur maître de l'existence, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Dieu et Dieu lui-même va vous enseigner. Quand Dieu enseigne quelqu'un, même si tu es idiot, tu seras intelligent. Voilà pourquoi les hommes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu lui-même qui devient leur maître. Ils apprennent des choses que eux-mêmes se demandent, où est-ce que j'ai appris ça? Dieu met le savoir dans leur cœur. Un cœur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala est rempli de savoir. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, la personne ne peut pas tomber dans des faux coups. Dieu dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Dieu lui donne toujours une issue de sortie. Quelle que soit la dureté du problème. Parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il aura toujours une issue de sortie. Et celui qui craint Allah, Dieu pourvoit à ses besoins. Il dit, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. D'où tu ne penses pas, Dieu te donne la richesse à partir de cet endroit-là. Tu es là le matin, tu n'as rien. Mais avant midi, tu vois que Dieu t'a envoyé ta popote. D'une manière miraculeuse. Parce que seulement tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux voyager, tu n'as pas les moyens. Parce que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu envoie quelqu'un te donner le moyen de voyager. La crainte de Dieu, en réalité, c'est le capital de tout homme de foi. Celui qui a que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux que celui qui a l'argent. Parce que lui, son argent se trouve dans les banques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la crainte d'Allah, il est mieux que celui qui a le savoir alors qu'il n'a pas la crainte d'Allah. Voyez-vous, la crainte d'Allah donne le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu dit « Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » الذين امنوا وكانوا يتقون. Il dit les amis de Dieu qu'on appelle les awliya, ils n'ont pas de chagrin sur terre et ils n'ont pas de père dans l'au-delà. Ça veut dire que Dieu leur a garanti le bonheur ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Tout cela par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut vivre bien sur terre, il n'y a pas mille chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Crains Allah et observe la piété. Je finis avec
la crainte d'Allah, de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaissances d'Allah sont ceux-là qui ont compris le sens de l'adoration. Quand Dieu a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » Ibn Abbas dit « وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ أَيَّ عَرِفُونِ » Que quand Dieu a dit que j'ai créé les djinns et les êtres humains pour rien d'autre que pour m'adorer, Ibn Abbas, qui était tourjouman dans le Coran, il dit que m'adorer veut dire me connaître. Et ceux qui connaissent Dieu, on les appelle « Al-Arifuna Billah ». Et leur crainte de Dieu est différente. C'est tout ce que j'ai cité, en plus de ce que je vais citer tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont tout fait pour que dans leur cœur, il n'existe que Dieu. Ces personnes ont une peur que cette position-là, cette dimension auprès de Dieu-là les échappe. Ils veulent que seul Dieu demeure dans leur cœur. Et comme seul Dieu est dans leur cœur, ils ne voient que Dieu partout dans leur vie. Donc, ne pas voir Dieu là, ça les fait peur que cela n'arrive un seul jour. Et leur crainte de Dieu est une grande dimension de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est possible de l'atteindre. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ceux qui veulent atteindre cette dimension, c'est clair, cherche-toi un maître spirituel. Dieu dit « Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin » Ô vous qui avez cru en Allah, craignez Dieu, mais soyez avec le véridique. Demeurez avec le véridique. Tu veux avoir cette crainte de Dieu-là, à une certaine dimension, tu as foi en Dieu. Tu crains Allah, mais pour comprendre les profondeurs de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, va chez les hommes de Dieu. Cela qu'on appelle As-Sadiqoun. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ami ala fouka ala barkada. Ami ala wali manwaka wali yabela jelina. Ama nina fe, sungalo rekoum ala kan royama. Mwa beseka soufou kata soumba. Menga sungalo kolou nana fe min kama. Ima dosora ala. Sungalo kolou nana fe min koson oyomwe. Oreye ala nyasranya. Na forako ala nyasranya koro tchamamba di bala. Mado obeyi. Autant nous croyons chidon, bougeons qu'on a mort de nous, avec bougeons qu'on a menga avec sang à l'agne. Fais-moi mani à l'aïe, abadan à tes bons à l'autre à la gâchila. Ou à l'agne sranya, ou kaf sa kukata kalan tchamanke, kalamimibla, kuma tchamana menga barabi droya, astafurullah min koulin bila amali. Ame dina mina baradine dodo. Ni bakono, iki jijaka famia, ni ya famia ika barake. Alanya sranya koroidi sinna ali ni ngala aloko alanya sranya korode ko ko al amalu bit tanzil ko alaye qurana min jigikan ika qurana barake akoka ba fe kiye yoro yoro akiye yoro la ata fe kiye yoro yoro akana iye yoro la aye fe mu bali fe mu haramu ye iki jija ki yoro majan ka bama mon ye haram barak kilimpike ala bi jangata chien fla abi maludien kono katla ki don jahannam kono alkiyama ala kan kis gabama haram may jurum may alna suraka do o ko son allah taala aye tubi bunda dele ni ay ku ye jurum ko dungo do e kana son ka suno oduna ni ma tubi kata alama ni tubira kata alama akachala alaw talabi ya fekay jurguma ako alanya sana koro de ko alay koro da min jiganka koro na hukumu ana kitu ibe min do alay ki jijaka barake ani mutuni ako wal khawfu min al jalil ikatlan ka sran alanya alanya sranya koro fla di bala mo ko kalitu te kelinge mado be olu de ko min jong mado be olu ye horon ye horon ale bi siran jangata denye afon jon ale bi siran jangata denye nyangata kuson ade don alaw tala gashila ay barang mongge menga horon ale bi ala de kanu tellement ay ala kanu abe siran ka do alaw tala gashila nu ma flaka ala siran ya tayrote kilingi e de bala jesa
يلا يبقى فيك كي جون دي تيما وا ولا يبقى فيك كي هورون دي تيما نو كون في هورنيا دي كافسادي مي بكي يري جوغو لاجي اما دوما اكو وريدا بالقليل كو الا يسون منا اكي وسدو الا ني نتبجي يبقى فيك فين بي سورو كسر الله تعالى ما لاتكي كي يبي دون الله تعالى غشيلا يبي شمنيكي يبي مغو ترومبي يبي ولي بالكي الا كان كيسكا بواما أبلاك موفق أدنيك أكو والاستعداد ليوم الرحيل إكي جيجا بومبة إلى بنو نسينا نايمة سوفة ولا تليفة ولا سوما ولا ولافة إلى بلندو موكو سيبا دونك أفو إيه جيجا يسوكو نمائرا موكو تمان دي بي نينا ما يكونو منغا مامو لبن بيكا سيام ما يكونو أكا دوغاد ما دونك تما أنغان جيجا كسران ألاني ala nya sranya joro ka chala jore kilimbe uye ala dono ka ala nya sranya ye o ala don fana atesoro funi tula ma ko mami be ala do o ala nya sranya munde ma do debi uye o dusku uye aflan ka fem be bola fu ala ta akeli uye nin du bola ka yere buye bola ka yere fo bola ka yere ye bola ka tuya bola kanim bebo odusuna o ifen kilimbi mi se bato odusuna o de alaw tala kilimbi o mara kesa o du nyate fushi la fo alaw tala kilim woro bela gelina awa o sera joro mina o be sera o joro kana tla ola o ruka ala nsranya yele manaka ko ye ala nsranya bela gelin tema dindi ya joro bilibili bay amani ni ala fe ala ka dama abo fu udud mako al arifuna billahi ala donaw me nga be soro ni tugu nyoko nyadi ka tugu mako mami bi ala do o ko so allah ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ko ya aw mamu limana na alama aw ka sirang alanye liman yaflen ye alanye sirang yaflen ye ako una be wa kunu ma'as sadiqin aw ka keni chintu ye chintu bu rabbil jilina ni ba fe ka fere ala ni sran yere yere jatima ibi jija ini chintu ka ka nyon fe chintu yo jom de ye ulu de ye ma ye mam ye chien durum to blaw du suna chien de alay ni ma min sera ka chien se bati du suna be ke chintige ni ma o ma tule ko atigi fana be ke chintige ala kan bela jilen ke chintige subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدع فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا وفي الرواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه من كتفي على باب الجنة فعليهم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك عند الله هو خيرا وعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الخالدين المهتدين الصديق الاكبر سيدنا ابي بكر المنير الانوار وعن سراج اهل الجنه الناطق بالصواب
شهيد الكرام أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق أمواله رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي غالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية، اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخزل من خزل المسلمين، اللهم أحمي من كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين، واقتل السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء ورمى وغلاء وطاعون وزمن ووباء، طهر جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا والوالدين والأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات، اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعليا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. وصدق أقدارنا
ارحمنا على الصراط واصلنا في وسط الجنان. ارحمنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراه والانجيل والطبور والفرقان. اعطنا جميع ما سالناك به في السر والاعلان. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعه والبرهان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينه القران وادرنا بكرامه القران والبسنا بخلعه القران وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بهرمه القران واجعلنا بجنه مع القران وارحم جميع امه سيدنا محمد القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا مرينا وفي الغد منسى وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكلامة القرآن وافطرنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة الكرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سنة سماء. اللهم ارزقنا بالألفوفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالشين جمالا وبالآء همة وبالخاء خلالا وبالدال جنوبا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زوفا وبالسين صناعة وبالشين شفاعة وبالصاد صدقة وبالقاف ضياعة وبالقاف طهارة وبالواي ظفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وبالنام لطفا وبالميم موعزة وبالنور نورا وبالواي وسطى وبالخوف هدايا وبالدار الألف لقاء والياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين العشرين. اللهم قدم ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أجمعين عامة ونجمع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خطر المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبدًا إلى فاتحة donc la décision de faire un concours, nous sommes allés à Congo et il a dit que la cause non nécessairement c'est la partie de l'économie. Je ne sais pas si vous avez dit. J'ai dit que c'est lui disons que je veux la partie. Parce que j'étais d'abord chrétien non pratiquant, et maintenant sous la décision de pratiquer la religion. Pourquoi vous savoir pourquoi vous la pratiquez? Qu'est-ce que vous avez vu pour vous séduire? Bon, ce qui m'a séduit, c'est les prières, les prières. Cinq prières, voilà, le papa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que les cinq prières sont comme cinq manières de se purifier par Dieu. Parce que nous sommes tous des êtres pécheurs. Et quand on pêche beaucoup, il faut beaucoup se purifier. Et celui qui se lave cinq fois par jour, il sera très difficile pour que cette personne soit sale. Avec votre raison, la purification d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous êtes les bienvenus. Vous avez une forme de bébé dans le texte droit. Et vous avez écrit la première fois. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. La. Ilaha. La.
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه منه جمع تستيقا بوضع الله من يقول الدينتين تسكي تاني تاني صلو بما رسول الله Souvent, ce sont les faveurs de Dieu, mais souvent, ce sont les conséquences des actes que Dieu a posés. Quand c'est un malheur, c'est souvent les conséquences des actes où le prophète n'a pas son local. Ce n'est pas du sorcier du village, ce n'est pas du digne du quartier, non, c'est Dieu. Et c'est plus ce que Dieu utilise avec la personne. Donc, tu viens retourner vers lui, tu ne vois pas tourner vers le bon bien, vers la sorcière du village, non. Désormais, tu es l'esclave de Dieu, tu es le plus esclave de qui que ce soit. Je vais attester également que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si que toi tu ne sais pas de Dieu, si même tu dis que voilà ce que tu recommandes, tu en as réfléchi, tu fais une seule. Je vais attester également que Jésus-Christ, comme j'étais avant que tienne, que Jésus-Christ, il est le serviteur de Dieu. Je vous dis à mon enfant, sauf dans le sens de l'amour. Il est le serviteur de Dieu, il est l'esclave de Dieu, il est l'employé de Dieu et il est le verbe de Dieu qu'il a donné en Marie. Mais nous sommes tous des verbes de Dieu. Donc sur ça, la foi s'est renversée. Et nous pouvons absolument parler qui t'aide. Tu veux le sang de voir, tu veux le sang de l'Est. Est-ce que tu as décidé de prendre un nom musulman? Franck Ahmed. Barakallah. Donc, il s'appelle Franck Ahmed. Désormais, c'est comme ça qu'on va l'appeler Ahmed. C'est le nom qu'il a appelé Ahmed. C'est le nom céleste du prophète Mohammed. Sur la terre, on l'appelle Mohammed. Mais dans les cieux, on l'appelle Ahmed. Ce sont des noms qui ont un sens, qui est le très loué. Sur la terre, il est loué parce que toutes ses actions sont louables. Mais même les anges et même le loup. Donc, c'est ainsi qu'ils l'ont appelé Ahmed. Et nous, le Seigneur, nous avons appelé Mohammed. Donc, on va prier Dieu que ce soit des actions qui vont émaner de toi. Que tout ce que tu fasses soit loué et très loué. Que Dieu te garde, Inch'Allah. Sois le bienvenu, M. Ahmed. À partir de aujourd'hui, tu as 5 prières pour bien la faire. Et c'est obligatoire. On va t'enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu vas gérer. Si tu es en bonne santé. Et je pense que déjà, demain, tu vas commencer à gérer avec les cadres. C'est pas compliqué, hein. Actuellement, j'aime, on reste toujours un peu là. Même ça, c'est un problème. Tu vas gérer, ça va bien passer. Alors, tu vas payer aussi la zakat. La zakat, c'est même pour les pas dans tes biens pour donner au peuple, mais si tu as l'argent. Si tu as l'argent, c'est une manière de combattre la pauvreté. Et tu viens à pouvoir le faire, Inch'Allah. Et si tu as le problème aussi, tu vas faire le pèlerinage au moins une fois dans ta vie. Celui qui fait ça, ce sont les 5 milliers de l'islam, la personne qui est posée de comme un musulman pour faire la soit en retard. Sois le bienvenu, Ahmed. Merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Vous pouvez vous asseoir, je vous confie à l'imam pour continuer. Il va assurer votre formation, Inch'Allah. Merci, asseyez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, la carte de l'eau, elle est ça, c'est une très grande nouvelle. On va se dire, maintenant, on va se faire faire. Non. Avant, il y a pas vraiment un jour de calme. Voilà. Pourquoi il y a un jour, je vous ferai. Non. Je vous ferai ça, mais. Voilà. On va faire quand il y a un jour, il y a un jour. On a quand même dit qu'il y a un an, c'est quand même un petit effet. Non, on dit qu'il y a un petit effet. La dîme, on le dit. La dîme est jolie. Elle a qu'à jolie. Ah, oui. Et à pied. Allahumma salli ala.